La France a-t-elle autorisé en catimini la livraison controversée du premier Mistral à la Russie? Oui, si l'on en croit le vice-premier ministre russe qui a publié ce mercredi une lettre du constructeur invitant la Russie à prendre possession du navire le 14 novembre. La veille, le ministre français de la Défense rappelait que le président conditionnait cette livraison à une application intégrale du plan de paix en Ukraine. Si les conditions politiques ne changeaient pas, il n'imaginait pas donner l'autorisation de livraison. Prendra sa décision au moment de la livraison. La vente de deux Mistral à la Russie a été conclue en juin 2011 sous le mandat de Nicolas Sarkozy pour 1,2 milliard d'euros. Mais la crise ukrainienne, marquée par le rôle obscur de la Russie, a donné une tournure très politique à cette vente. La France, qui a été montrée du doigt notamment par les États-Unis, a reporté la livraison du premier navire, le Vladivostok, prévu initialement en octobre.